Reste où tu es. Tu ne vas pas sauter, non? Non, bien sûr que non. Donc, ça ne te dérange pas si je m'approche? Je m'en fiche. Ok, qui est l'heureux élu? Ok. Je suis désolé, pas d'heureux élu. N'appelle personne. Je n'ai même pas de réseau. Je te jure que si tu avais ma carrière, il y a longtemps que tu aurais sauté. Et devine quoi? La semaine dernière, j'étais coincé dans la salle de bain pendant 2 jours. Tout un week-end. Parce que mon opérateur avait décidé de ne pas me donner de réseau. Oh, c'est profond. Je pense pas pouvoir le faire non plus. C'est à propos d'une fille? Oui. N'est-ce pas toujours le cas? Ouais. C'est sa couleur préférée. Quand ils retrouveront mon corps, elle saura à quel point elle a brisé mon cœur. La mienne ne l'a jamais fait. Elle m'aimait. Elle m'aimait tellement. En fait, elle m'aimait encore plus que je ne l'aime. Je l'ai demandé en mariage ici même. C'était le meilleur endroit pour démarrer ma nouvelle vie. Jamais j'aurais cru que ce serait ici que j'y mettrais fin. Elle me manque tellement. J'aimerais juste pouvoir la prendre dans mes bras. Quelle ironie. J'étais venu ici pour la rencontrer. Mais je sais que si je le fais, je ne la reverrai plus jamais. Jamais. J'aurais souhaité ne jamais l'avoir rencontrée. Laisse-moi te dire quelque chose. Sur moi. Je suis passionné de jeux vidéo. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux toujours cliquer sur redémarrer. Peu importe combien de fois tu échoues, tu peux toujours recommencer. Et pourtant, elle gagne toujours. Mais pas cette fois. Pas cette fois. Ne gâche ta vie pour aucune fille. Maman, tu me manques tellement. Dieu, je t'en prie, pardonne-moi. Et maman, aujourd'hui, je vis pour toi. Donc je suppose que ce n'est pas ta dernière lettre. Vous n'imaginez pas ce que ça fait de recevoir cette lettre. Parce qu'on pense qu'il y a certaines personnes qui n'envisageraient jamais de se suicider ou de mettre fin à leur jour. Et parfois, quand quelque chose nous arrive, ça bouleverse tout. Et tout d'un coup, on commence à penser à des choses qu'on n'aurait jamais envisagées. Tout particulièrement quand il s'agit de la perte d'un être cher. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a perdu Khadija radiyallahu anha, quand il a perdu son oncle Abu Talib, cette année est connue sous le nom de Am al-Huzun, l'année de la tristesse. Ce n'était pas l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était boycotté, ni l'année où il a été opprimé ou contraint à l'exil, mais l'année où il a perdu Khadija et Abu Talib. Pourquoi? Parce que même quand il était opprimé avant ça, il pouvait rentrer chez lui et trouver du réconfort auprès de Khadija radiyallahu anha. Mais là, il n'avait plus ça.
Il n'avait plus le réconfort physique d'Abu Talib. Et c'est une chose à laquelle on est tous confrontés dans nos vies. Et le truc c'est que, soit on vivra pour voir partir ceux qu'on aime, soit on partira avant eux. Et c'est important qu'on garde les choses en perspective quand ça arrive. Imaginez si Ziyarat l'avait réellement fait, s'il avait réellement mis fin à sa vie en se suicidant, il aurait alors ruiné sa propre vie dans l'au-delà, et il aurait aussi ruiné son opportunité de faire plus de bonnes actions pour sa mère. Et donc ici, Ziyarat a décidé d'être la dernière bonne action de sa mère. Parce que maintenant, il lui donne une source éternelle de bienfaits et de bonnes actions, puisqu'il peut faire des dons en son nom, il peut invoquer pour elle, il peut répandre du savoir en son nom, maintenant il peut agir pour elle. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment réaliser. Quand on est en vie et que nos êtres chers, ces personnes qui vivaient pour nous quand ils étaient en vie, quittent ce monde, c'est à nous de vivre pour eux et de faire des choses dont ils bénéficieront dans cette situation. Et on doit comprendre ça aussi. Allah connaît nos peines, et Allah sait ce qu'on traverse. Et si on demande une récompense pour cette douleur et cette patience, la récompense qu'on aura en retour est meilleure que d'avoir cet être cher à nos côtés. Et c'est pourquoi Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, quand son père Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est décédé, un bédouin est venu le voir et lui a dit « Khayrun min Al-Abbas et ajruka ba'da, wallahu khayrun min kalil Al-Abbas. » La récompense qu'Allah te donnera pour ta patience dans ta tristesse pour ton père est meilleure que d'avoir ton père à tes côtés. Et Allah est meilleur que toi pour ton père. Assalamu alaikum. Thank you guys for watching this episode. We thank you all for your support. And we hope that you enjoyed watching it. Share it inshallah ta'ala, let people know. Make sure you like this video and you share it with your friends. If you haven't watched the previous episodes, make sure you click here. And if you'd like to watch the entire series, then click here for the playlist. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.